Salut à toi, je suis Rémi Juppy de l'agence web marketing StrainUp et sur cette chaîne, si tu ne me connais pas, on parle de web marketing, de mindset et en partie de dropshipping. Alors voilà, si monter ton entreprise ou gagner de l'argent sur internet t'intéresse, eh ben t'es au bon endroit. Alors voilà, dans cette vidéo, je voulais te montrer l'astuce que j'utilise pour pouvoir tracer les tags que les autres chaînes dans la même niche que moi utilisent. Quels tags ils utilisent, combien ils en utilisent, copier-coller la stratégie des gens dans ma niche. Je pense que ça peut vraiment intéresser pour tous ceux qui débutent sur YouTube et qui ne savent pas forcément quels tags utiliser ou comment les utiliser. Alors voilà, donc pour pouvoir espionner, entre guillemets, donc c'est légal, hein, pour pouvoir espionner les tags des gens sur YouTube, des chaînes sur YouTube, vidéo par vidéo, il va te falloir utiliser Google Chrome. Donc là, je suis sur Google Chrome. Et donc, dans Google, on va installer l'extension qu'il nous faut. Donc, cette extension, c'est Tube. C'est YouBuddy. Ou TubeBuddy. Ouais, voilà. TubeBuddy, comme ça. Donc, il ne faut pas aller sur le site TubeBuddy, puisque c'est leur site, on n'en a pas besoin. Nous, on va cliquer directement sur le lien chrome.google qui va nous permettre d'installer l'extension. Donc voilà l'extension. Hop, donc moi, je l'ai déjà ajouté à Chrome. Donc, j'ai ce bouton vert. Vous devriez avoir un autre bouton si vous ne l'avez pas encore installé. Et on a, une fois qu'il s'est installé, on a ce petit bouton en haut à droite. Voilà, donc maintenant, tu vas voir, on va aller sur YouTube et... Voilà, tu vas voir que maintenant, tu as un nouveau bouton sur YouTube, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est le bouton TubeBuddy. Alors, cette application va te permettre d'avoir plein de fonctionnalités, comme trouver des tags qui correspondent à ceux que tu as rentrés, qui correspondent au titre de ta vidéo, etc. Dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, on va essayer de trouver le tag qu'une personne a mis sur sa vidéo. Donc, je vais prendre une vidéo au hasard. Tiens, celle-là, par exemple. Hop. Et on va essayer de trouver les tags que cette personne... Donc, ça, c'est la pub, je vais la passer. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Donc, cette personne-là, qui parle de dropshipping, etc., quel tag elle a utilisé sur sa vidéo? J'aimerais bien le savoir, puisque moi aussi, je fais des vidéos qui parlent de dropshipping. Donc, ça peut toujours être très intéressant. Et donc, tu peux voir qu'avec cette application qui est ici, on a un nouveau carré qui s'ouvre. Et donc là, on a pas mal de stats, etc. Et juste ici, qu'est-ce qu'on voit? Les tags de la vidéo, les tags que la personne a utilisé pour sa vidéo. Et donc voilà, là, tu as toutes les données, tu as tous les tags, absolument tous les tags qu'elle a utilisés. Si on prend une autre vidéo, puisque celle-là est en anglais, je vais en prendre une en français. Tac, tac, tac. Voilà, tiens, par exemple, celle-là. Hop. Quel tag il a mis, si ça peut être intéressant. Lui, par exemple, on peut voir qu'il a mis aucun tag. Donc ça, bon, c'est assez rare, mais bon, il n'a pas mis de tag. Par exemple, Olivier Seban, hop, quel tag il a mis. Si vous développez une chaîne dans l'immobilier, etc., ça peut être intéressant de trouver les tags d'Olivier Seban. Et bah donc les voilà, voici les tags qu'il utilisait, en tout cas pour cette vidéo, donc qui parle de bourse et pas forcément d'immobilier. Mais voilà, comment gagner de l'argent avec la bourse, Tamim Kabaj, je connais pas, je sais pas qui c'est, ça doit être une personne connue, je pense, dans le milieu. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, amusez-vous avec cet outil, trouvez les tags qui correspondent à votre vidéo, c'est super important pour le référencement. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like. Abonne-toi aussi, puisqu'il y a pas mal de contenu qui arrive, et puis écoute, je te dis à la prochaine. Allez, salut! Oh,